caisses. Salut à tous, CDS, Zizir et Jean. Et Jean. Et oui. Alors on a décidé de faire une vidéo parce qu'on est tombé sur un truc assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on tombe dessus. Alors déjà, regardez au-dessus, vous allez remarquer que les pierres sont différentes de d'habitude. On dirait des dallages de château fort. Et il y a une espèce de petite moisissure, enfin de mousse qui apparaît dessus. Alors on sait pas du tout ce que c'est. Et c'est la première fois qu'on tombe dessus. Donc on a voulu vous faire une vidéo parce qu'on est tombé sur des mobs en fait qu'on n'avait jamais vu encore. Et peut-être que certains les connaissent d'ailleurs parmi vous. Mais en tout cas nous ça ne... Attends, j'ai peut-être une idée. Ouais. Alors on va se faire un petit four là vite fait, histoire de faire fondre ce que l'on a. Et on va se faire un coffre. Alors fais pas de coffre, j'en ai deux sur moi là, je vais les mettre juste à côté. On va déposer nos objets au cas où on meurt, même s'il y a forte chance qu'on revienne jamais ici. Voilà, donc là on est vraiment... à la base on est parti dans les mines pour chercher... Des rails. Pour chercher des rails, ouais. Et ben, on est en train de se perdre un petit peu dans les méandres de ces couloirs. Et surtout ne pas y survivre. Et on a récupéré un peu de mosstone, on a détruit un donjon aussi entre temps. Bon, vous aviez déjà vu l'occasion, vous aviez déjà eu l'occasion de voir qu'on avait détruit d'autres donjons dans les précédentes parties, donc on n'a pas refait une vidéo pour ça. Mais là on est vraiment tombé sur un truc assez étonnant. J'ai mis de la nourriture dans les coffres hein, pour ceux que ça intéresse et je suis en train de faire fondre le fer. Je mets les... Ouais, puis un briquet, ça se fait comment? Tiens, je t'ai dit, il faut prendre du fer. Alors, tu prends un bloc de fer, un bloc de flint. Attends, je t'en fais, hein, t'embête pas. Je te le donne dès que je l'ai fait. Là, je te donne les matières premières. Si je sais plus dans quel sens ça se fait. Attends, il faut quoi pour faire le... Qu'est-ce qu'il faut, Zizir, pour faire un briquet? C'est du flint Ouais, attends, deux minutes. Je viens de faire un trou là pour essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je prends ma dose de drogue. Ah, attends, je vais essayer de reboucher. Il faut juste du fer et une... Attends, si t'as l'occasion, fais-nous un briquet, Zizir. Par contre, ça aurait été bien que on essaie de creuser autour. Bah, faut du fer et puis... Vas-y, fais-le. Et aussi cette espèce de matière verte là. Ouais, mais justement, je voudrais qu'on creuse autour et qu'on essaye de monter... Qu'on essaie de... Tiens, rends-moi les sticks, s'il te plaît. Je voulais faire... Ouais, merci. Je voulais faire une hache parce que j'en ai pas. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous veniez avec moi. Ouais, mais passe-moi les sticks, s'il te plaît. Ah, attends. Si tu les as. Jean, si tu veux un briquet, il y a Zizir qui en a fait, là. Tu veux bien passer les sticks, s'il te plaît, Zizir? J'aurais besoin de... Ça y est, je te les ai filés. Ah, je les ai pas. Jean, tu peux me les filer, alors? C'est toi qui as dû les récupérer. Les bâtons, non. Les petits bâtons. Des petits bâtons. Ouais, impeccable, merci. Quelqu'un veut une hache ou pas? Non, c'est pas une hache, c'est plutôt une pioche qu'il faut. Pardon, alors, une pioche, j'ai jeté un petit coup d'œil vite fait dans la tour. Quand tu vas aller voir ça, DS, ça va être impressionné. C'est, on dirait l'intérieur d'une forteresse, d'un château fort en fait. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tombé sur une relique ancienne. Le sol, ça y fait penser. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on essayait de faire le tour? Parce que vous voyez là, ça commence. Viens. Là, viens, ça commence. Viens. Non mais j'ai déjà commencé. Ça commence juste là. Regarde, on est en dessous là. Viens, tu vois. Bon, ok. Ah, ça a pas l'air très grand en fait. Si. Non, mais je me suis mis en fait à la limite le mur. Viens là, je suis entré juste dans le trou là. Bah, la limite du mur, on y était aussi. Alors, attends, je finis juste d'enlever ces blocs. Voilà. Ok, t'es là Jean, t'es avec nous? Ouais, je suis en haut avec Zizir. Ah d'accord. Ah oui, ok, ouais. Ouais, on est juste le long là. Il faudrait essayer de venir au-dessus. Et ça sent les araignées encore. Ça sent les drôles de bêtes. Alors, oula. Alors, waouh, wow, excellent. Alors attendez, je vais reculer un petit peu, je vais essayer d'y aller. Je sais pas sur quoi je vais tomber. T'as de quoi te protéger ou pas? Non. Ouais. Repose en paix. Sublime, vraiment sublime. On est dans des couloirs avec, attention, avec des marches. Bon, il y a des salles. Voilà, des marches en pierre encore. Il y a des salles. Et les fameux... Ah, ça j'adore ce matériau plutôt. Espèce de barrière en fer. Des portes en métal. Par contre, je sais pas comment on les casse. C'est plus rapide pour les casser. Des portes en métal. Des portes avec des boutons. On est vraiment tombé sur un truc exceptionnel là. Une espèce de château fort ou je sais pas. Là, par là, t'as vu que ça descendait aussi à droite là? Bah ouais, j'ai vu que ça descendait et à gauche là ça monte. Il y a un petit bug là, il y avait une torche qui flottait. Alors là il y a une porte. C'est un cachot, ça ressemble à un cachot en fait. Ouais. Je sais pas où on est mais c'est assez génial quoi. Vas-y, appuie sur le bouton. Ça a l'air de... Alors attends. On casse le mur au pire s'il y a besoin. C'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce qui t'arrive Jean? C'est moi qui tombe. Et cette pierre elle se récupère ou pas alors? Ah ouais. Ouais. Wesh.
Je sais pas comment on la fabrique, mais bon, ça c'est joli. Et la pierre verte aussi, j'aime bien. C'est du quoi? C'est du stone brick et du stone brick. On a deux types de stone brick, ouais. Il y a des pièces partout, c'est juste extraordinaire. Je sais pas comment on a fait pour trouver ce truc là, mais c'est énormissime. Et en plus, oh là là, ouais. Ah, il y a la bête, ah. T'es où? Ah, il y en a plein. Remonte. Ah non, il y en a deux. Ah mais c'est horrible. C'est horrible. Et on peut pas venir t'aider si on sait pas où t'es. Mais je suis redescendu en bas, vite. Faudrait qu'on reste groupé, hein. Wow, ça a l'air d'être un labyrinthe. C'est un labyrinthe ici. C'est impressionnant. C'est bon, elles me suivent plus. Viens voir. Attends. En fait, j'ai peur que ce soit des cachots qu'on puisse pas sortir. Viens voir. Regarde la petite salle là. Hein? T'as de la flotte à droite. Ah ouais. Oh, Narnier, fais gaffe, il n'y va pas, j'y vais. J'ai un briquet au pire. Attends, voilà. Moi je me casse. Impeccable. Ah, regarde, il y a une petite échelle qui monte là aussi. Putain, attends, il y a un coffre, tiens, essaye de venir au-dessus avec moi. Attends, j'ai pas vu. Ah, il y a la petite 3 blocs d'or et 2 pains. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Attends, je vais éclairer. Bon, parce qu'en fait, j'éclaire la zone au fur et à mesure. Éviter que les meubles. Mais on a perdu Jean en fait. Viennent. Il est mort. Non, mais il s'est perdu. Je sais pas, t'es où Jean? Attends, j'ai rebouché. Je m'enterre parce qu'il y a un mob qui me veut. Bah, t'as pas d'épée? Oui, mais je vais l'obliger à se replier. T'es où, Zian? Ouais. J'essaye de voir. Alors là, je suis dans une sorte de prison. Tu sais? Waouh. T'es parti, Jean. Ah, d'accord. Comment ça, je suis parti? Ouais, je suis déconnecté. D'accord. Bon, c'est un truc. Bon, les portes en métal sont un poil galère quand même. Bah, heureusement qu'il y a des boutons, quoi. Si tu pètes le bouton, on est mal. Ou alors qu'on casse le mur autour. Non, mais pète pas ça. Ouais, j'aime bien, je vais en foutre partout. J'adore ce matériel. Mais... Bah, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça, on pourrait l'utiliser comme une base ou un truc comme une ça. Cage. Bah, ouais, on. Faudrait déjà savoir où est-ce qu'on est, parce que là, on est clairement perdu. En fait, si vous voulez, on est reparti dans la grotte, enfin la précédente mine. Et bon, c'est complètement perdu. Donc, je sais même pas où on est. T'es où, Zizir? On essaie de se regrouper un petit peu. Oh putain, attends. Il y a des meubles là qui débarquent. Ouais, mais bon, j'ai trouvé un truc. T'es encore parti tout seul. En fait, il y a des sortes de petits crocodiles. Non, j'arrive là, je suis au centre aussi. Pas très loin, j'étais pas parti très loin, juste de l'autre côté de l'eau. Sympa là, la fontaine. Alors, ouais, la fontaine elle est sympa. Alors, par contre, faut faire gaffe, c'est que de l'autre côté de la porte, t'as une carré pour faire apparaître des araignées, mais pas les bleues, les rouges, les grosses rouges. Ah, alors attends, rappelle-moi la différence entre les rouges et les bleus. Les rouges sont un peu moins chiants. Si veux, je peux mettre le feu. Allez, mais. Il est où le piège à mob? Ah, oui, d'accord. Il est à droite. En train de casser le truc. Oh putain. Bien joué. Ouais, par contre j'ai un peu foiré. Par toi qu'on a régné. Bien joué. Vas-y, pète-le pendant que je serai derrière. Bon voilà, éteins le feu là. Non, on laisse, ça peut toujours nous aider à survivre quelques secondes de plus. Allez, pêche-toi de te casser, ça y est. Ouhou. Alors je sais plus à combien on en est au total, mais... Oula, alors il y a du blé. Il y a beaucoup de blé. Attends, bah j'ai tout dans la caisse. Ah, j'ai regardé, c'est bon. Ah, attends, on va mettre un peu de torche. Il y a du cacao, il y a de la redstone. Encore, il y a du blé et du pain. Voilà, bah punaise. Encore une cage à mobs, là, ça fait, je sais plus, on en est à la 7ème ou 8ème. Bon, moi je garde le camp de base et puis il y a des mobs qui tournent autour. Alors Jean, à la limite, essaie de nous rejoindre si t'es motivé. Si... Oh putain, c'est juste impressionnant. T'es où, Zizir? C'est juste énorme. En fait, je me balade, je peux faire à chaque fois, c'est pour ça. C'est tout simplement immense, hein. C'est immense. Ouais, si je rejoins, je risque de mourir. C'est immense. Il y a des portes partout, toutes avec des interrupteurs, donc à chaque fois on sait jamais si on va se retrouver enfermé face à des mobs ou pas. Ah, il y a les fameux escaliers, je crois qu'en fait ça remonte là où on était tout à l'heure, ça. Ouais. Il y a des chances. Alors je vais commencer à être à court de ouais, torches. Si tu veux, j'en ai encore une trentaine, donc... Oh, c'est quoi ça? Ah, attends. D'accord, c'était toi. Ah bah ça si attends. Casse la terre. Souvent quand il y a de la terre c'est qu'il y a quelque chose derrière. Pas forcément mais bon. Non, a priori y a rien.
Bon, on aura quand même essayé. C'est quand même assez exceptionnel. C'est, je sais pas comment on peut appeler ça en fait. C'est une sorte de château, de forteresse. Ouais, voilà, une forteresse abandonnée sous terre. Enfin, forteresse sous terre, souterraine. T'es où toi exactement? Ah, tu parles à Jean? Je parle à Jean, ouais. Parce que sinon, moi je suis derrière toi. Il y a quoi là? Non, ah, je vois une porte qui s'ouvre pas. Ah. Putain, je suis parti vas-y, encore au tard. Je suis derrière toi. J'ai plus de torche. Je t'éclaire. Attends, je te suis. Alors là, on arrive sur un truc un peu plus classique. Bon, bah là, c'est. Ouais. Alors viens par là. Je vais voir parce qu'il y a de rejoindre. C'est quoi? Bon, y'a rien par là. Jean, t'es où Jean? T'es dans la maison ou pas? Ouais, je suis dans la maison. Bon, alors, là, moi je serais d'avis de le garder, tu sais, de faire une sorte de base souterraine à partir bah, écoute, de là. Pas de soucis, il faudrait qu'on remonte à la surface. De l'arranger. De l'arranger. Bon, on remonte à la surface. Bon, bah on crée notre propre escalier. Mmh. Ok. Tu sais, on part tout droit direct. Ouais, ouais, bah, on va voir si. Mais il faut trouver notre centre, notre point d'aide. Oh, viens voir, viens voir, viens voir. Je serais d'avis. Bibliothèque inondée. Attends, je vais essayer de mettre des blocs partout. Ah, fais gaffe parce qu'il y a ouais, bientôt l'araignée. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Et en fait, ça a l'air d'être calme niveau voilà. Mob. Ah, sublime. Et y a, ça monte, ça continue encore à l'étage, regarde. Ouais, 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 j'ai vu ça. Faudrait grimper, attends. Tout simplement. C'est juste une énorme bibliothèque, ouais, c'est tout. Sublime, c'est vraiment sublime. Nous avons trouvé les étonnant, les c'est que il n'y a pas de, il n'y a pas de marche. D'échelle ou un truc comme ça, ouais. Non mais ça, oh putain, il y a une caisse. On l'a encore pas vu, il y a une caisse. De deux bouquins oh, et punaise, 5 et 7 papiers. Passe, pourquoi est-ce que je prends des chocs alors que je suis en train de faire un escalier pour monter. Je tape direct. Et t'as encore de la bouffe. Ouais, ouais, tu en veux. Vous avez mis deux torches. Non, mais c'est pour toi. Ouais, on a mis des torches partout. Ouais. C'est un labyrinthe, tu pourras sûrement pas te retrouver grâce à ça, mais bon. Moi, il me faudrait des torches. Mais ouais, je serais vraiment d'avis là qu'on arrête tout. Et qu'on remonte. Et que, bah, qu'on remonte, quoi. Qu'on trace écoute, vraiment une ligne droite. On sert la bibliothèque pour quoi remonter, hein. Ça me paraît être un ah, bon point. Non. Moi, bah, je serais d'avis qu'on commence par le point là où on a trouvé les caisses, tu sais, en l'air là. Le cœur, mm-hmm, si tu veux. Ok. Bon bah enfin voilà, faudrait qu'on c'était DS, Lizir et presque Jean, parce qu'il nous a un peu quitté au début, pour cette découverte non, assez exceptionnelle. Ouais c'est une vrai forteresse. C'est exceptionnel. Alors c'est dommage, on n'a pas pu vous montrer le rat, il y avait une espèce de petit rat, ou je sais pas ce que c'était comme bestiole. Ouais une rat sorte de petit rat en métal. Ça faisait un peu tout fou quoi, c'était à mi-chemin entre le hérisson et le rat, on sait pas trop ce que c'était. Bah on en a vu qu'un en fait, et on l'a tué. Bah en fait ils m'ont couru après. C'est ce qui nous a motivé à lancer la vidéo, c'est lorsqu'on est tombé sur ça. Et bon, on n'a pas pu vous le montrer. Donc on a lancé la vidéo un poil trop tard quand on a découvert cet endroit là. Mais en tout cas c'était pour vous montrer un peu ce que bah, les bonnes surprises sur lesquelles on pouvait tomber dans Minecraft. Voilà, donc on va arrêter la vidéo, je vous remercie à tous, c'était nous trois. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Salut. Au revoir. Salut. Hop, j'ai remis la vidéo juste pour vous montrer les fameuses bestioles. Ah, elle est où? Ah. Ah, mais elle attaque en plus. On dirait un rat. Non, elle attaque pas. Un raton, je sais pas. C'est trop mignon. On peut pas lui donner quelque chose à manger? Attends, j'ai pas un os qui traîne. Il veut te manger, mais bon, c'est un détail. Attends, je vais essayer de lui filer un os. Non, que dalle. La bouffe peut-être. Bah j'essaye mais ça marche pas. Non moi non plus, rien du tout. Est-ce qu'on peut lui donner un bâton peut-être? C'est peut-être un raton laveur, qui sait. Il me veut. Bien. Non. Bah, en tout cas elle a l'air bien nous aimer. Bon tout à l'heure on l'a tué parce qu'on savait pas ce que c'était. On a pas du tout eu peur, faut être franc. Mais là c'est trop mignon, regarde ça joue avec nous. Ouais ça a quand même à mon avis envie de nous attaquer. Non ça a pas l'air. C'est un petit rat. Bon bah voilà, en fait on a relancé la vidéo juste quelques secondes pour vous le montrer. Comme on est toujours en train de chercher. Peut-être qu'il... Ah, il a mangé. Non, c'est toi qui l'as récupéré je pense. Mais c'est bon. Il a mangé. Ouais, enfin il me fait chier à me pousser là. Bon allez, on le laisse. On va pas le tuer de toute façon, il mais c'était pour vous montrer cette fameuse bestiole. Donc s'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à venir partager.
On découvre vraiment des trucs dans Minecraft, des fois c'est assez marrant. Voilà, bon, on vous dit encore un salut, un et cube, merci pour avoir regardé la vidéo.